Vous savez, les aventures rocambolesques, c'est du sérieux, c'est du solide, c'est du dur, c'est du pur. Donc aujourd'hui, avec mon ami Joe, on s'en va escalader pour vous le Mont Saint-Hilaire. Et oui, escalader, tout le monde sait qu'on escalade le Mont Saint-Hilaire. Donc on y va super duper léger, sac à dos. Tamron 2470, ma Sigma 70-300, deux batteries qui vont aller avec ma T3i pour pas manquer de jus. Et on arrête de rigoler et on part maintenant! Qui c'est qui gagne pas avant d'entrer et puis qui fout la merde? J'espère qu'il y a du monde tout nu parce que c'est déjà un épisode des aventures rocambolesques. Cucu. Ben Lance, explique-nous qu'est-ce que c'est que ce truc. Moi je parle plus, je dis plus rien. Ah arrête, c'est quoi ça? C'est quoi cette lance? C'est une lentille. De type? De type gros calibre. Bouge. Parle-nous de ta focale. C'est sérieux, man? C'est quoi la focale là-dessus? C'est une 600 mm. C'est une 150-600. Quand tu fais ça comme ça, ça devient une 600. Ah! Pis non, je peux. Non, coupé! Savais-tu que le Mont Saint-Hilaire, il est vieux de 125 millions d'années? Ben, ça je m'en doutais, là, c'est une montagne. Non, mais c'est quand même intéressant. À ce bête-là, avant que les hommes apparaissent. Oui, probablement, là, mais c'est quand même intéressant. Hey, t'exagères pas. Culture personnelle pour notre bon vieux Québec. Moi, j'ai un fait sur le Mont Saint-Hilaire. C'est un endroit qui est réputé pour les apparitions d'ovnis. Je savais pas ça. Tu savais pas ça? Non. Il y en a eu beaucoup, il paraît. Ça a l'air qu'on y trouve plus de... Mathéo, peux-tu pas faire le bruit que t'es joué, s'il te plaît? C'est désagréable, tous ces gens. Plus de 350 minéraux. Donc 40 sont exclusifs à la région. Qu'est-ce que c'est? Un beau pays. Ces dernières se seraient dégradées de façon importante sous l'action de l'air. Oh, fuck ton vidéo avec nos sons. Fuck this shit, man. Human being sucks so much balls. Ben ouais. Un homme bi. Un homme bi. Il y en a deux zombies. Ok. Sérieux. On y trouve rien. On y regarde. Un apocalypse de zombies! Ça serait malade! Ouais, plein d'hommes partout! Oh! Toi je te suce! Toi je te suce! Toi je te mange! Quel apocalypse! J'ai oublié une tête d'eau, Joe! J'ai juste du café, qu'est-ce que je fais? Pas grave, on boira la mienne à deux. Ok, sensuel. Ça me dérange pas de boire dans ta bouteille. J'ai brossé mes dents, j'ai fini mes traitements pour l'herpès. Fait qu'il y a eu un mort là. C'est un jeune, il avait quel âge, saviez-vous? Non, je le sais, il a essayé de monter, puis il s'est tué en montant là. Exactement. Bon. Ben, je sais pas s'il descendait ou s'il montait. Mais en tout cas, il y a une croix quelque part, puis elle est blanche. C'est où est Charlie? Est-ce qu'il est mort sur le coup? Non, mais si on était capable d'aller mettre une croix. S'il est pas mort sur le coup, il est peut-être mort sur la tête. Ben, je te dirais qu'il est pas bien mort. Non, mais si on était capable d'aller mettre une croix là-bas, c'est parce que c'est accessible. On part vraiment au pied dans la montagne, tandis que l'autre place que tu peux aller puis que tu payes, ben tu peux abrupt de même, puis la moitié du chemin est déjà faite. Puis tu payes, y'a rien de rebelle là-dedans. Ouais, y'a ça là, si jamais on voit des gardes au loin, ben on pique hors sentier, on continue de monter. Fait qu'est-ce que t'as déjà vu ici comme animal? Que j'espère voir aujourd'hui, des urubus au sommet. Quoi qu'il y a des urubus, il y en a pas mal partout, mais Saint-Hilaire, vu qu'on est en altitude, ben on a crissement plus de chances de faire des bonnes photos parce qu'ils vont nous passer proche de la tête. Sinon, je sais qu'il y a deux coupes de grands pics. Les grands pics bois, mais pas les petites affaires avec les taches rouges sur la tête qu'on voit un peu partout, là. Les énormes pics bois, genre comme Woody Woodpecker, ceux qu'on parlait hier. Ils sont assez huge. What about Woody Woodpecker? Puis j'ai pas bien regardé la faune qui se trouve au Mont Saint-Hilaire, mais je sais qu'ici, il y a de la couleuvre, il y a un peu de tout. On a des bonnes chances de trouver des trucs intéressants qu'on trouvera pas dans nos forêts chez nous. Il y a un peu de tête, t'as dit? Il y a un peu de tête. That's what I like. Yeah! J'ai hâte de faire des photos! Tu vis ta vie dangereusement? Ah oui. M'élever le matin, c'est un danger. Ah, moi, m'élever le matin, c'est un danger. Ah, elle a tout le temps de bout avant moi, elle. Ça prouve que je suis encore jeune et en forme. Top shape, boy! Yeah! Je vais être triste, mais que ça m'arrive plus. C'est comme ma fierté, ça, le matin, me lever, puis
Ça me rappelle que j'ai juste 20 ans. Moi, ça me rappelle mon père. Ok, on coupe. Super garde. Les super gardes. Ouais. Putain. Après tous les RPG que je me suis claqué dans ma vie, putain, on lui refait un fight. Faut être en position, genre RPG. Genre. Oh non, mais ils sont là, genre. Oh, tu tournes la santé, tout ça. Fait que là, ce qu'il faut faire, c'est récupérer quelques pas. T'as-tu des skills? Qu'est-ce que t'as de ok, finalement, je suis en mode RPG, excusez. La side quest pour l'instant, c'est de contourner l'îlot parce qu'il y a des bugs de jeu puis on peut pas piquer en ligne droite. Si tu veux. Pour ma side quest, c'est ton anus. Ouais. On n'a pas le choix, là. Faut... On n'a pas le choix. Ton anus. Faut ton truc. Par là. Fuck. Combien de crêpes, White? 4-5. T'as dit 10 pourtant. Il y a des gardes là-bas. On n'a pas le choix. Faut passer ailleurs. C'est ici qu'on peut mourir. Let's go, Joe. Ici, c'est pas pour les petits gars de la ville. Le silence, c'est pas mon skill. C'est la première fois que ça fait autant avec Rocambolesque. Il faut être putain de mon skill. Je les entends. You know what? I feel wood right now. Du coup, monter cette affaire-là. Après ça, on peut aller rejoindre le sentier. On va être assez éloigné d'eux. C'est quand même intense. Putain, ce qui fait chaud. Je trouve que le spot est cool, ça. Wow, petit. C'est une stèle. Belle pause. Vous voulez voir ce que ça fait pas être en forme? Checker ma face! J'urine du visage! C'est quelque chose! Là, on est rendu à quoi? 110%? Juste 30-40%! Je vous convainc que je meurs avant! Tes probabilités de survie? Hein? De survie? Je sais pas, là. Il me reste deux cœurs. Deux cœurs? Deux cœurs! Puis là, je suis full, là. J'étais à la fin, là. J'étais à Ganon. Les aventures rocambolesques, c'est pas pour rien. Je vais te piquer une petite gorgée. Il nous reste que ça. Notre bouteille est rendue à 25%. Je calcule tout en pourcentage. La vie, si j'ai pas calé, je me suis mouillé les lèvres. Ah, mais tu sais ce que je viens de faire. Je veux trop être en mode survie. Là. Quel chemin qu'on emprunte? 600 mètres. Puis on est à. C'est un belvédère, là, fond. Ouais. Un poste d'observation. C'est pas le plus haut point. Le plus haut point, c'est le pain. Je pensais que c'était le plus haut point. Oh non, c'est lui! Ok. Finalement, après de plus amples renseignements avec un individu inconnu, on a décidé de changer de cap. On s'en va vers Rocky. Faire qu'il est plus haut. Fait qu'on va là. Quand tu fais jamais ça, c'est quand même hardcore! Ça gosse, espèce de
buisson. Buisson, j'aimerais ça que ça soit. Ça coupe l'effet de. Ah, oh, ça me. De la montagne, justement. Si je te dis. Ça donne moins impressionnant que je pensais. Ouais. Ok. Je te disais, tantôt, là, c'est. Une coche plus bas? Ouais, tu descends là. Tu, je sais pas si tu vois la roche. Oh, ouais. À côté de la roche. Là, il y a une grosse falaise. Là. Ah, ok, ah, bon, ouais. On va aller plus loin. Non, ben, c'est pour toi, là, je viens de te le dire. Parfait, merci. Là, ça va partir en couille, hein? Ah, oh, solide! Donc, on va se diriger vers le lac Hertel. Dernière destination avant la fin de cette capsule. Ouais, on n'a pas pogné la meilleure journée côté dégagement de ciel et oiseaux. Un écureuil. Pourquoi un écureuil? Hein? Ça aurait pu être un bouche-cureuil ou un cucureuil. Un cucureuil, ça j'adore. Soif! Hey, il reste pas gros. Notre survie achève. Ah, man, il reste une petite gorgée, t'apprends-tu? Ou okay. Je la prends? Ah, okay. Oh, regarde dans mon regard la joie. Le problème, c'est que j'en aurais calé une complète demain. J'aimerais ça redescendre la montagne avec au moins une pique satisfaisante. Puis il me semble que aujourd'hui, à part perdre de l'eau de mon corps, j'ai pas fait grand chose. Ah, t'as-tu vu? Moi, je peux voir un œil puis une bouche. Souvent, mettons, en photo, il y en a qui utilisent ça puis font des photos avec ça, dont un Français que j'oublie le nom et que ses œuvres sont incroyables. Je le mettrai dans le bas de la vidéo, je vais le jointer et ça vaut la peine, il est cool! L'anthropomorphisme, c'est pas quand un chat, l'exemple que je t'ai donné, là, un chat tire un cadavre de chat dans la rue, tout le monde fait « Ah, on dirait qu'il veut le sauver » puis dans le fond, il veut juste se mettre parce que le cadavre de chat, c'est une femelle puis elle dégage encore des hormones. C'est le monde qui associe des comportements, puis dans le fond, c'est pas vraiment ce qui se passe. Attends, on n'a pas le même terme. Anthropomorphisme. Ouais, c'est ça. Non, mais l'anthropomorphisme, c'est dès que tu peux, genre, que tu vois une forme, mettons, humaine ou animale à travers un objet mort ou inerte. C'est comme, mettons, l'arbre qui a un visage. C'est quand tu vois un comportement X à travers quelque chose. D'après moi, il y a deux définitions, mais je vais regarder. Je vais immortaliser mon visage avec celui de mon ami ici. C'est de l'anthropomorphisme pur. Ah, c'est plus que ça, c'est de l'amour. Le lac, es-tu bien loin? Coucou! Pas de temps! Ta barbe, ça glisse! Là, je te suis de près parce que je veux capter l'émotion que t'as quand tu trouves un insecte. Fous-moi la paix! T'avais besoin de monter en haut du Saint-Hilaire si tu peux trouver un nœud d'arbre. Un nœud d'arbre. Il y en avait dans ta cour en arrière de chez vous. Ah, oh, il était beau, là, tu l'as vu comme moi. Ben oui, je l'ai vu. Je sais pas ce que t'as vu dedans. Un visage? Le visage de l'amour, Joe. T'as dû sentir aussi, mais ça fait le chemin plus long. On va l'essayer. Ah ouais, Joe, faut que tu trouves un insecte. Faut qu'on lube. Il faut qu'on trouve un insecte. Tu lui fasses ta macro, tu sais comment t'es beau quand tu fais ça. Ah chier. T'avais pas un petit chien, beau comme ça. Ok, il y a un insecte là, c'est sûr. J'ai trouvé un crocodile. T'as le jeu, tiens. Fais-tu la même face quand tu joues? Ouais, pareil, pareil. Ça prend quoi comme skill pour faire de la macro? Stabilité ou juste ton veilleur sur ton stabilisateur? Pour commencer, faut pas que t'ailles pas de jambes pis pas de bras. Ok, on peut. Un homme tronc ne peut pas faire de la photographie macro. Right? Ok? Yeah, allez. C'est tout dans la lens, hein? Ouais. Ensuite, si tu fais du Parkinson, t'oublies ça. Ça prend une stabilité. Maladie grave, mais ça prend de la stabilité. Grand angle change rien, rend pas l'image meilleure, ça change la perspective. Tu peux te rapprocher autant de ton sujet qu'une macro, ben presque autant, mais capter plus du reste de l'environnement.
moins close-up, dans le fond, ça ressort. Ben, justement, moins c'est l'idée, la perspective qui va faire que ça va être intéressant. J'ai pogné une autre belle de champignons, des petits. Cool. Ah, je suis assez content de ces trois. Hein. Bon. Wow! On peut arrêter si tu veux. On n'a pas le temps d'arrêter. Il faut filmer. S'il arrive quoi que ce soit. Juste un doigt d'être capté. Tombe assis drette là-dessus. Si je tombe assis là-dessus, ça doit être capté, c'est sûr. Peu importe ce qui m'arrive. Sérieux, Joe, là, je tombe mortellement. Là. Tu prends la cam, tu filmes. Là. Puis tu finis le montage ou tu trouves quelqu'un qui le finit. Là. C'est cool quand on fait ça. Je pensais pas même à faire du champignon aujourd'hui, mais... Mais ça va. Ils sont pas pires. Ça y est, Joey a vu tout quoi, il s'en va prendre une autre photo. Mmh. On abandonne la cartelle. On n'aura jamais le temps. Mmh, on aura le temps. Non, les gens se plaignent que mes épisodes sont trop longs. T'as raison, je m'en sacre tellement. Vous vous plaignez, ben gars, allez-y de monter une montagne puis le filmer au complet. Vous brûlez la scène. Être démoli puis monter des vidéos jusqu'à 4h du matin dans la nuit. Puis donner une date limite puis le poster. Fais-le. Hein? Fais-le. Hein? 80 likes, j'ai même pas ça. People don't care, they wanna see shit, boy. Pour être franc, quand on va filmer, je compte un peu sur la chance pour qu'on tombe sur des affaires par hasard. Comme, paf, hey, t'as vu? Un homme tronc. Je l'ai vu tout à l'heure, l'homme tronc, je me suis pris en photo avec. Non? Ouais, c'est l'anthropomorphiste. Ah, ben oui. Ah, c'est une fucking souris. C'est une taupe. On l'a perdu. On a perdu une taupe, man. On l'avait. Il faut qu'il y ait un trou, on la voit même pas. Oh, fuck, ok, ça c'est intéressant. Tasse-toi, s'il te plaît. En macro, je la veux celle-là. Tu l'as-tu? Ouais, bouge pas. C'est une salamande tigrée. Fuck. Esti, je l'ai. C'est sûr que je l'ai perdu. Avoue, ça aurait été hot. On aurait pu la filmer, la pogner et tout. La remettre dans son petit trou. Là, moi, ça aurait été un nouveau sujet macro à mettre dans mes archives. Ça fait 3 ans que je pogne à peu près les mêmes insectes. À peu près. Là, tu parles à la salamande? Ouais. Ouais. La taupe, à la limite, ça aurait été le fun aussi. Les deux, ça aurait été le fun. Il y a de quoi qui vient de sauter dans l'eau? Hein? Il y a de quoi qui vient de sauter dans l'eau? Pétard ou une grenouille? Peut-être. Quasiment sûr. Il y en a plein de belles roches, là. T'as-tu de quoi? J'ai une bébite, là. C'est quoi? Je sais pas. Une bébite d'eau. On va là-dedans. J'ai filmé, moi. C'est pas grand-chose. On arrive au lac. Escalade complète, on a fait le bas du lac Artel.
Et là, quelques photos végétatives. Les beaux champs. C'est ce qui va conclure notre épisode rocambolesque. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas, il faut partager cette vidéo. Il faut liker. À plus tard, les petits dépravés. Suivez nos épisodes. On n'a pas fini de vous en montrer plein votre gueule. Adieu. Check, check, big booty vintage. Oh. Okay.